ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il fait très sombre dans la maison, on n'a pas de soleil aujourd'hui. Il fait... Ouais. Alors on entame la saison où on n'a qu'une envie, c'est de rester à la maison, coucouner, et puis voilà. Et en même temps là on n'aura pas le choix parce qu'on est confiné. Mais en même temps c'est souvent la saison où on est déjà un tout petit peu pas trop bien moralement. Et là en plus on est confiné. Donc oui, alors ça tombe bien parce que c'est mieux que d'être confiné maintenant qu'en plein été par exemple. Mais en même temps ça risque de jouer un gros coup sur le moral. Mais bon, courage. On va s'armer de patience. Et puis tout va bien se passer. Et on va espérer que déjà d'ici 15 jours, ça aille un petit peu mieux et que ça s'assouplit un tout petit peu. Et que dans un mois, on peut retrouver un tout petit peu de liberté. Voilà. En fait, moi, tout ce que je réclame, c'est de pouvoir revoir, même si on est limité à 6 personnes, de pouvoir revoir mes proches. Mais bon, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est ce qui va nous manquer le plus. Et ce que j'espère le plus, c'est Noël. Hein. Voilà. Bon allez, sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Pas grand chose. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je sais que Greg doit aller voir, en revenant du travail, il va aller voir pour le bois. Pour voir si on pourrait être assez vite livré. Alors c'est un petit peu bizarre avec la Belgique, je sais pas si... Enfin, il va falloir que je check un petit peu les infos. Je sais pas combien on peut être pour faire les courses, si c'est limité à une personne comme au début du confinement, si du confinement d'avant quoi en fait. Enfin voilà, j'ai pas tout, il y a des choses qui sont un petit peu passées, voilà. La Belgique, c'est ouvert, on peut y aller faire nos courses, en plus eux ils sont pas encore confinés, donc on peut encore aller... En fait on pourrait encore aller faire nos courses en Belgique et puis à deux quoi en fait, puisque eux il n'y a pas de restrictions pour l'instant. En fait quand on est sur le sol belge on doit respecter les réglementations belges et en France on respecte les réglementations françaises. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, Greg va sûrement m'en dire un peu plus aujourd'hui avec lui comme il travaille en Belgique, il va savoir un petit peu. Il faut que j'imprime des attestations parce que du coup il faudra pas que j'oublie lundi l'attestation pour aller conduire les enfants. Donc il faut pas que j'oublie de le faire, je vais faire un petit tas. Pareil, j'ai vu sur l'attestation, il était écrit que les conduites pour l'école et pour les activités périscolaires. Donc du coup je me demande pour le foot... s'ils vont avoir droit d'y aller ou pas, parce que ça fait partie d'une activité périscolaire, donc j'en sais strictement rien. Pour l'instant, Angel devait avoir entraînement hier, ça a été annulé, on n'en sait pas plus en fait. Mais je pense que beaucoup de personnes n'en savent pas plus qu'en fait, ils sont un petit peu noyés en fait dans le flou, voilà. Mais bon, hein, sinon, au menu. Ce midi c'est un gratin. Alors c'est le gratin de pâtes à la mozzarella avec les gros morceaux de mozzarella. Les enfants adorent celui-là. Je vous l'avais déjà partagé il y a longtemps. Et en fait parce que je le fais assez souvent, et souvent il revient pendant les vacances, mais je ne vous l'ai pas encore mis sur le blog, donc du coup ça va être fait. Et ce soir c'est tartiflette première de l'année, qui à mon avis vu le temps va être la bienvenue. Allez, go. J'ai trop rien à faire, en fait j'ai déjà fait toutes mes routines et tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le PC, je vais faire mon menu pour la semaine prochaine en espérant que... C'est ma hantise ça aussi. Alors j'ai vu déjà des vidéos où les gens ont été faire le plein comme je sais pas quoi et ont dévalisé les rayons. Donc ça va encore une fois être la galère pour trouver un paquet de pâtes, un paquet de farine, un paquet de levure. Ça va me... saoulés, mais ils ont rien compris en fait les gens. La première fois, on était en pénurie à cause d'eux, et là, ils recommencent. Puis les pauvres personnes quoi en fait, qui doivent mettre en rayon et faire les livreurs, qui doivent livrer et pas arrêter et tout. Enfin, ils nous font n'importe quoi en fait. Hein. Et je me dis franchement, il y a des moments, il y a des gens, ils mériteraient d'avoir des claques. Voilà.
Hein? Bon. Allez, donc on va faire sa liste de courses et on va voir. Alors là, je pense que nous, on ira plus en Belgique si la frontière d'ici là ne... S'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc logiquement, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop de pénurie. À moins que les Belges font la même chose. Et que... Parce que... Est-ce que j'ai pu comprendre... Enfin, je suis suivie par pas mal de Belges aussi. Et... voilà. Et du coup, à ce que j'ai pu comprendre, vous aussi, vous risquez d'être bientôt confinés aussi. Et donc du coup, voilà, je me demande si vous aussi, vous n'allez pas faire... Enfin, certains d'entre vous vont peut-être faire aussi des réserves et on aura aussi peut-être des pénuries de ce côté-là aussi. Mais bon, on va voir. Hein. On va laisser venir les choses un petit peu à la fois. Puis on va croiser les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais franchement, les gens pourraient comprendre, enfin, apprendre de leurs erreurs, quoi, en fait. Que la première fois, ils étaient un petit peu paniqués, machin et tout, je veux bien le comprendre. Mais là, il n'y a pas de quoi, en fait. Puis en plus, c'est beaucoup plus souple, on va dire. Donc, vous allez pouvoir aller faire vos courses, quoi, en fait. Arrêtez, franchement. Puis, il y a beaucoup de magasins qui continuent à fonctionner. Il y a beaucoup de... Voilà, donc... Je ne comprends pas. Bon allez, on va aller faire son menu, sa liste de courses préparée pour la semaine prochaine, etc, etc. On va s'occuper. Ce matin, j'étais en train de vagabonder sur Instagram et je suis tombée sur une story de Marisa. Je sais pas, vous devez la connaître, hein, c'est une youtubeuse, elle fait des vidéos avec sa sœur. Et en fait, elle faisait montrer un... une blague en fait à faire à son chéri. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le... En fait voilà, elle faisait croire à son chéri qu'elle allait lui acheter ce genre de pyjama là. Voilà, donc je me suis dit ça peut être marrant, je vais tester avec Greg. Alors je vous ai fait montrer sur Insta, si vous nous suivez pas sur Insta, allez-y, je vous montre ici. Donc je vous ai fait montrer sur Insta la réaction de Greg et en fait je me suis complètement fait avoir parce que sa réaction, je vous la mets ici, en fait clairement il s'en fout, il veut bien mettre ce pyjama, voilà, il s'est dit que il se croirait dans la petite maison dans la prairie, quoi, en fait. Donc je me suis dit bon, soit il m'aime très fort et il veut pas me vexer, ou soit il s'en fout clairement. Et je pense que c'est plutôt ça, il s'en fout clairement. Il se dit, c'est pour mettre à la maison, je m'en fous. J'ai voulu tester avec Angel. Et en fait, ben, il y a eu exactement la même réaction de son père. Donc je pensais que ça allait être un petit peu marrant et tout. Mais en fait, compte, moi je me suis fait avoir à mon propre jeu. Je vous mets la réaction d'Angel juste après. Dis Angel, regarde, j'ai vu ce pyjama là. C'est un pyjama pour homme, c'est... Bah ouais, c'est un pyjama pour homme. C'est bizarre. Mais non, mais pourquoi c'est bizarre? Ça fait l'ordre de chance. Eh, t'aimes pas? Non. Mais en fait, j'avais pensé les... acheter ça en fait pour avoir nos pyjamas customisés, tu vois, pour Noël. En fait, j'aurais pu les customiser moi-même. Il faudrait acheter un short, je vale pas... Tu veux un short? Mais on voit rien, ça arrive au jour. Je vais pas mettre ça si j'ai pas de short. Pourquoi tu veux pas mettre ça? Mais tu mets un caleçon en dessous. Ah, ok, donc... Mais tu mettrais. Regarde, j'avais pensé prendre en rouge. Tu le mettrais, malgré cette chemise de nuit. Ah ouais. Bon, je m'enlèverai pendant la nuit parce que je n'arrive pas à dormir. Bon. Mais ça te ferait bien. Ouais. Bah, je suis à la maison, j'en ai rien fait. Mais je sais pas, j'ai demandé à papa, il m'a dit la même chose. Il m'a dit qu'il s'en foutait. Ah ouais. Il m'a dit répondu seul, mais papa. Quoi? Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Wow. Tu vas te croire dans la petite maison dans la prairie. En fait, tu t'en fous. Tu vas mettre une chemise de nuit. Bah ouais, déjà. Ça vous est grave, moi je ne le mettrai pas si je serais un mec. Bah, on est à la maison, on s'en bat les couilles. Et puis si c'est pour être tenté, bah non. Bon. Et puis il faut dire qu'avant, elle était comme ça. Hein. Mais pyjamas, ouais, c'est sûr. Que ce soit maintenant ou avant. Donc clairement,
ils s'en foutent. Donc je pense qu'ils vont vraiment se retrouver avec un pyjama en robe de chambre pour Noël. Voilà. Hein? Quoique ça doit pas être si désagréable que ça. Hein? Ils doivent être à l'aise dans leur mouvement. Allez, ma. Ce que j'aimerais faire aussi ce soir. Hein, ça serait bien. Tu te souviens, j'avais acheté des produits à tester chinois et on les a pas encore testés. Ça serait bien qu'on fasse ça ce soir. J'espère qu'ils sont pas dégoûtants. Parce que vous allez dormir avoir un goût dégueulasse. Dégoûtant, tes mots. Oui, donc ouais, j'aimerais bien faire ça. On fera peut-être ça en vidéo ensemble. Ça pourrait être marrant et puis mettre un peu de fun dans ce confinement. Et la dernière fois qu'on avait essayé, on avait fait ça, vous avez bien aimé. Et là, en fait, ils sont dans mon armoire, je ne les ai pas encore testés. On les a pas encore testés, donc ça serait l'occasion. Allez, je vais aller travailler du coup maintenant. On y va, on va préparer le repas. Donc du coup, ce midi, comme je vous ai dit, c'est un gratin de pâte à la viande hachée et à la mozzarella. En fait, c'est un des gratins préférés de mes loulous. Tout ça à cause des gros morceaux de mozza qu'il y a dedans, quoi, en fait. C'est ce qui fait tout le... Vous voyez, quand vous prenez, vous tombez sur un gros morceau de mozza qui est bien fondant, là. Alors, du coup, première chose à faire, enfin, c'est très simple à faire en plus. Première chose à faire, on met le four en préchauffage 200 degrés. On fait chauffer de l'eau pour nos pâtes et on lance une poêle, une sauteuse, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et on y fait revenir notre viande hachée. Donc il y a 500 g de viande hachée jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute sa petite couleur rosée. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin donc du coup de pâte. Donc voilà, j'ai pris des pellets, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Coulis de tomate, de l'ail en poudre, un peu de piment, c'est au goût. De l'origan, des mozzarella en boule pour mettre les gros boules, gros morceaux de mozzarella dedans. De la mozzarella râpée pour faire gratiner le tout et un oignon haché. Que là, je vais ajouter, oups là, dans la viande hachée pour la faire dorer aussi un petit peu à son tour. Que l'oignon s'est bien attendri, qui commence à dorer, on va ajouter le coulis de tomate. Hop, qui est pas faire de tâche. Et on va ajouter les épices. Donc une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'origan. Et pour le piment, c'est au goût. Moi, je mets 1/8, voire 1/4, pas plus. Autrement, si ça pique, comme d'habitude, il ne me le mange pas. Ils disent que ça pique. Hop. Et du coup, le piment... Et on va mélanger ça et on va faire cuire ensemble 2 petits coups. Bien sûr aussi, on sale. Et on poivre. Alors, j'ai coupé ma mozzarella en gros cubes et j'ai fait cuire mes pâtes. Une fois qu'elles sont cuites, on va venir les ajouter à la sauce et les mélanger. Et ensuite, on va les verser. Donc les pâtes mélangées à la sauce. On va les verser dans un plat à gratin qu'on a beurré. Voilà, une fois que c'est versé dans le plat, on prend nos gros morceaux de mozza et on vient les mettre par-ci, par-là, dans le plat. On vient les enfoncer. Donc une fois que c'est fait, on met un peu de mozzarella râpée sur le dessus et on enfourne à peu près une 20aine de minutes. C'est juste pour faire... Alors là, moi, mon plat est encore chaud, donc c'est surtout pour faire gratiner... Le gratin. Greg est rentré, il a été voir pour le bois. On attend parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir passer la frontière. Ils devraient savoir cet après-midi, c'est ça? Au niveau des livraisons et tout, si, parce que lui, ben, voilà, il ne sait pas. Donc il dit si je prends votre commande et tout. Mais logiquement, on devrait être livré. Par contre, si ça fonctionne la semaine prochaine, donc c'est cool. Oui, non, mais il a dit une semaine, nous comptait une semaine pour être livré. Donc voilà. Donc on va attendre, voir ce qu'ils ont pris comme décision. Je pense qu'eux aussi ils doivent parler, du coup, ils vont reconfiner tout, mais je pensais qu'ils attendaient encore un petit peu. Ben, ouais, mais bon, comme la France, elle a confiné. Ouais, souvent ça suit. Hein. Donc du coup, c'est même pas sûr qu'on va pouvoir aller faire nos courses lundi là-bas alors. Je sais pas, pour l'instant.
on verra. Je sais que non, comme la femme... Ça, le gouvernement l'aurait déjà annoncé, et là, pour l'instant, ils n'en parlent pas. Je sais que Famille Flora, le grand magasin là où on va, bah en fait ils ont eu, c'est la Bourmex EB. C'est Luna. Elle s'est retournée, elle a failli tomber la mémère. Oui, en fait la Bourmex, c'est ça qu'on dit, hein, c'est le maire en fait, eux ils appellent ça bourgmestre. Donc c'est une femme en fait à Moucron, et du coup là elle a pris la décision en fait, donc c'est là où il y a Famille Flora Moucron, elle a pris la décision en fait de faire fermer en fait Famille Flora pour 15 jours. Donc mais c'est vrai que c'est vraiment une très très grande surface et il y a tout le temps énormément de monde, donc je peux comprendre que elle le ferme en fait, même si ça doit être vraiment pour eux parce que ça va être leur grosse période avec Noël et tout ça, et puis là il y a avec la Toussaint aussi, enfin ils avaient dû commander tous leurs fleurs de Toussaint et tout et ils vont se retrouver avec tout leur stock et tout, enfin c'est vraiment une période qui est vraiment difficile pour les entreprises. Ben, et au fait pour la chemise de nuit là, ouais. T'es sérieux? Je sais pas, bah ouais. Ouais. Ça te faisait rigoler? Ça te faisait rire? Bah ouais. Tu vas la mettre. C'était une connerie. Tu sais que c'était une connerie, franchement. Je m'en t'es rentré dans mon jeu. Bah oui, je suis rentré dans ton jeu volontairement. J'ai dit, je vais faire exprès de me faire passer pour un bebeu. Mais je savais très bien que c'était une connerie. Mais non, c'était pas de faire passer pour un bebeu. Moi, je croyais que c'est parce que tu m'aimais très très fort et que du coup, tu l'as accepté. Ouais, elle me prend pour un compte. Je savais très bien. Bah non, mais ton fils, il a réagi comme toi en fait. Hein. Au début, il a dit, bah, il est où le short? Dis-moi, je veux un pantalon. Et après, bah. J'ai vu ça, j'ai pensé à Charlie Ingalls. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Mais bon, quoi, que vous devez être à l'aise parce que vous devez avoir. Tu vois. Alors, Angel, il me dit, ouais, moi je veux un pantalon. Je dis, bah, tu m'as caleçon en dessous, c'est tout. Ça le traumatisait d'avoir. Voilà. Bon, allez, on va manger. Hein, les loulous, venez mettre la table là. On a la bourre aujourd'hui. J'ai pris ça cool ce matin, donc du coup, voilà. On est 1h30, on n'a pas encore mangé et la table n'est pas encore mise. On va passer à la table, je vous montre du coup le gratin avec. Les mozzarella. Oui, ce soir, je voulais tester les trucs chinois. Tu vois qu'on avait acheté pour faire le test. Enfin, au moment qu'on les a et on ne l'a pas encore fait. Mais on va pas manger ça. Non. Ce soir, oh, on... c'est périmé. Mais non, c'est pas périmé. Pourquoi c'est périmé? Stécia a dit ce soir, on s'est parlé de... du labyrinthe. Ouais. Ah, du labyrinthe. Non, c'est samedi. Non, bah ou ce soir, comme vous voulez. Bah, allez, du coup, on va manger. Alors, vous voyez, gros, les gros morceaux, le fait de mettre des gros morceaux de mozzarella, là, c'est... Logiquement, oui, tout le monde commence à 10h lundi. Ah, ouais, ça m'arrive. Enfin, Angel, j'ai eu... Ouh, vous voyez les fils? Moi, c'est ce que mes loulous aiment dans ce gratin, les fils. Moi, je commence deux fois à 10h. Oh là là. Ah, et déjà 5h30 passé, je suis en train de commencer à préparer la partie faite pour ce soir. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la faire cuire, faire gratiner tout ça au four. Je vais vous expliquer comment je fais. En fait, on a passé l'après-midi avec Greg à assurer la nouvelle voiture. Je vous explique. En fait, je vous en ai pas parlé un peu avant parce qu'on était sûr de rien. Greg avait été jeudi tout seul pour voir parce qu'on voulait vraiment être sûr. On est retourné et il est retourné. Non, c'est jeudi. Ouais, c'est jeudi que t'as été pour finaliser le dossier quoi en fait. Ce qu'il y a c'est qu'avec le confinement, on savait pas si on allait pouvoir être livré, on savait pas s'il fallait pas attendre. Donc du coup voilà, là tout est fait et on va pouvoir être livré. Donc du coup on aura une nouvelle voiture mardi. On va aller la chercher mardi. Donc là on a fait le nécessaire pour l'assurer pour mardi. Même ça, ça a été compliqué parce que on a demandé, enfin on demande certains trucs au niveau de l'assurance. Et on reçoit le dossier finalisé et il n'y avait pas ce qu'on avait demandé dedans. Donc du coup on a dû rappeler, parce que tout se fait par téléphone du coup. Pour changer, s'il demande quand on va chercher la voiture, en fait, il demande l'attestation comme quoi qu'elle est assurée. Donc voilà. Donc je vous en dis pas plus sur la voiture. On vous la montrera du coup mardi. Mais on est content.
Voilà, on a trouvé un bon compromis. Alors on pensait repartir sur une petite voiture. Et en fait, compte, c'est pratiquement le même gabarit que celle qu'on a actuellement. Alors en ce moment, on a un C4. On va garder le C4. En fait, on a un C4 et un C-Max. Le C-Max, il va partir. Le C4, du coup, Greg va le reprendre. Et moi, du coup, je roulerai avec la nouvelle voiture. Mais bon, d'abord, je vais apprendre à me faire la main, hein, avec... Mais oui, donc du coup c'est pratiquement le même gabarit que le C4. Le seul truc, c'est que nous derrière le C4, on a des vraies places à l'arrière. Vous voyez, juste au deuxième rang, en fait, il y a vraiment trois vraies places. Là, en fait, c'est deux places, enfin il y a trois places, mais la place du milieu, ça fait pas... Vous voyez, le C4, c'est trois sièges différents en fait à l'arrière. Là, en fait, c'est deux sièges et il y a un petit bout au milieu, c'est ça, hein. Non, c'est trois places, hein, mais c'est pas trois belles places, quoi, en fait. Donc pour deux ados, c'est largement suffisant. Occasionnellement, pour trois, c'est largement suffisant. Mais voilà, c'est un petit peu moins large, quoi, en fait, derrière, quoi, en fait. C'est la différence avec celle, la nouvelle, quoi, en fait. Mais bon, comme on vous a dit, hein, ça va être largement suffisant, parce qu'on est trois quarts du temps, on est que tous les deux. Donc la glace arrière, à part quand on s'en va ou quoi, voilà, elle a un beau coffre aussi. Possibilité de mettre un coffre de toit de toute façon, donc voilà, on est content, on est content. Puis en plus elle a tout ce qu'on voulait, parce que là en fait le C4, nous c'est un automatique et on voulait repartir sur une automatique, surtout pour moi, quoi, en fait, parce que vous savez que je suis pas une très très grande conductrice si vous me suivez depuis un moment, et du coup en fait ça me fait très ça me crée de l'anxiété en fait de changer de voiture déjà là, voilà. Mais je vais m'y faire parce qu'elle va rouler tout seule. Alors déjà le C4 il roule tout seul, mais je pense que celle-là ça sera encore mieux. Bon allez, je vais finir du coup ma tartiflette, je vous explique. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que je fais cuire mes pommes de terre moi à l'avance. Alors je sais qu'on est beaucoup à mettre les pommes de terre crues dedans, mais moi je préfère les faire cuire avant. Je les fais cuire avec la peau. Vous voyez, à la vapeur. Donc là je les ai fait cuire au cookéo. Je vais les éplucher et les couper. Voilà, ça me permet aussi de gagner un petit peu de temps sur la confection de la tartiflette. Ensuite, je mets des lardons fumés. Moi, j'aime bien les fumés. Et beaucoup d'oignons. Donc là, j'ai une dizaine de pommes de terre, 4 oignons et 2 paquets de lardons. Donc j'ai fait revenir les lardons. Une fois qu'ils sont cuits, qu'ils commencent à dorer, j'ajoute les oignons et je les fais cuire aussi un tout petit peu. Ensuite, je vais rajouter un peu de vin blanc. Moi, je mets du vin blanc dans ma tartiflette et je mets de la crème aussi dedans. Ouais, je sais qu'il y en a qui n'en mettent pas, mais moi je trouve que quand on met pas de crème, c'est un peu plus sec, quoi, en fait. Donc on aime bien quand c'est bien crémeux, en fait. Donc là, je... Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Donc là, je fais revenir mes oignons. Greg est en train de jouer, donc il va râler. Je fais revenir mes oignons et ensuite, je vais rajouter du vin blanc, donc à peu près la moitié de la brique. Et puis, donc ça a une brique de combien, bon, à peu près 100 ml. Je vais le faire bouillir pour juste garder l'arôme et enlever l'alcool. J'ajoute un peu de crème, j'ajoute mes pommes de terre, je mélange tout et je mets mes reblochons. En fait, le reblochon, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux et je mets directement les deux morceaux en fait dessus. Je vous montrerai. Mais voilà, je vous fais pas la fiche recette parce que je pense qu'on a tous notre recette de tartiflette et je pense qu'on sait tous la faire. Alors, j'ai déjà vu aussi des personnes qui faisaient frire leurs pommes de terre. Qui mettaient dans leur enfin voilà, où ils les font frire style comme des frites, quoi, en fait. Donc moi non. Je ne peux pas lancer les pommes de terre à l'eau, mais voilà, je sais qu'on est beaucoup à faire de façon différente. Alors il y a une recette aussi que j'aime bien aussi faire de temps en temps. Donc il y a cette façon là où je fais comme ça et il y a une autre façon où je mixe le reblochon avec la crème. Du coup ça nous fait une crème de reblochon et je mélange ça avec mes pommes de terre et là du coup on a plein de reblochons partout, plein de crème de... C'est bien réparti en fait, on a vraiment un plat qui est bien bien crémeux. Tu veux que je fasse comment en fait Greg ce soir, juste comme ça avec les reblochons dessus? En fait, la différence avec ces deux techniques, c'est que dans la technique où on met les reblochons au-dessus, on a la croûte du parmesan. La croûte du reblochon qui est dessus, qui devient un peu croustillante. L'autre côté, on a juste un plat qui est un peu gratiné, quoi, en fait. Hein, Greg? Je mets juste les reblochons au-dessus ou tu veux que je fasse avec la crème juste par-dessus? Ok. Alors,
J'ai mes pommes de terre qui sont épluchées et coupées en morceaux. Là-dessus, je vais ajouter du coup mon mélange d'oignons, lardons et crème, sel, poivre. Voilà, je vais répartir plus ou moins un peu partout. Et ensuite, je vais poser mon reblochon en fait sur le dessus. Voilà. Moi, j'ai quand même coupé mon reblochon en tranches comme j'ai fait un grand plat. Alors moi, ils adorent hein, la tartiflette, voilà. Donc du coup, un grand plat. Mais et si je mettais mes deux fromages, j'avais peur qu'il y avait des endroits où il n'y en avait pas. Donc du coup, voilà, j'ai coupé en tranches pour que ça soit bien uniforme. Et voilà, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à le passer au four pour faire gratiner tout ça. Et on va manger ça avec une petite salade pour celui qui va s'installer. On va goûter les trucs chinois. Alors on avait pris 5 trucs la dernière fois qu'on avait été. On avait pris une boisson. Fais voir la canette. Alors c'est, je sais pas comment on dit, sour, sop. T'as senti, ça sent quoi? Moi je sais pas sentir. Alors. Ça sent la pomme. Ça sent la pomme. Avec ensuite, j'avais pris ça. Mais alors ça, je vous avoue que j'en ai déjà entendu parler, paraît que c'est bon. Donc on verra. On avait pris ça. On avait pris des petits gâteaux à la pâte de soja. Et on avait pris celle-ci. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors on verra. J'ai l'impression qu'il y a du poisson dedans. On commence par quoi? Si c'est, je sais pas si c'est des bonbons. Ah bah, on va commencer par la boisson, non? La boisson? Ouais, comme ça on se sent à l'inverse, c'est bon. Attends, je vais installer la caméra aussi dans le coin. Hop, attends. Hop là. Allez, vas-y. On ouvre tous. Approche un petit peu. Vas-y. Alors, on va commencer par la boisson. Assez transparent déjà. Ça fait un peu. Si, ouais, on dirait un peu comme du jus de citron ou je sais pas quoi. Un quoi? Un deux ou deux. Et ce verre pour toi? Tiens, chérie. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent un peu comme la pomme. Bah oui, c'est l'huile. Alors, on y goûte? Je pense que vous avez déjà fait les pommes. 1, 2, 3. C'est bon, hein. J'aime bien. Toi, t'aimes pas? Non. Damn. C'est un petit goût de litchi, on dirait un petit peu, non? Litchi, de fruits du dragon. Ouais. Bon, après, on dirait ça, ça ressemble beaucoup à de l'eau sucrée en fait. Hein. Avec un petit goût derrière. Ça goûte bonbon. Ouais, c'est ça. C'est un goût de bonbon en fait. Un bonbon aux fruits là. Ouais, les boissons là, en liquide. C'est. Oui, ça fait un peu. Vous voyez les bouteilles, c'est vrai, ouais, les bouteilles bonbons très sucrées là. C'est riche en vitamine C. On va plus dormir ce soir. Grave. On commence par quoi? Non mais ça va. Alors, tu choisis? Tu veux quoi? Pourquoi il va se... C'est toi qui as choisi la canette. Ah vas-y, à toi Stécie. Tu veux quoi? On va prendre ça en dessous. Ça là? Ouais. C'est salé ça. Hein. Ouais, non, on commence par sucré, non? Ouais. Si d'abord le salé et après sucré. Ça a l'air bon, c'est sucré. Non mais ça, il paraît que c'est bon. En fait, c'est des crackers. Crackers à la ciboule. Ouais, ils sont un petit peu cassés par contre. Voilà, ils sont un peu beaucoup cassés même. C'est déchiré. Ah oui, un peu beaucoup. T'arrives à en avoir un entier? Ouais, ça fait des fines galettes en fait. Avec du sésame et. T'en as eu un entier? Alors. Ah, ça c'est bon. Ouais, c'était des crackers en fait. Mmh. Bon, c'est la ciboulette. Mais ouais, je sais pas trop où est-ce qu'elle est la ciboule. Ça ressemble à des crackers, à des gâteaux salés qu'on fait apéro. Ouais. Avec un petit goût de chinois derrière. Léger. Ouais. Quel goût chinois. L'huile là. Mmh. Ah mais si, ça c'est bon. Ah, c'est bon ça? Je l'ai bien gardé. À toi, papa.
Je sens qu'il va se faire un pâté le machin. Le quoi? Ça donne pas envie, ça. Prendre ça, moi. Ah, ça donne pas envie. Et je sais. Attends, on va les couper en deux. Vas-y, donne-moi. Donne-moi tout le temps. Ça sent le coco. Bah oui, c'est un noix de coco. Je vais faire le douche qu'on met sous la douche. Le gel douche. Ah, vas-y, prends. Allez, prenez. Alors, tu fais comme de la pâte feuilletée et à l'intérieur, il y a comme de la frangipane en fait. Ça sent le coco à moi. Ça sent un noix de coco. Ça n'a pas l'air d'être mauvais. Pas bon. C'est un goût. Ça goûte savon. Ouais, c'est un goût de savon. Ils sont pas très bons. C'est toi qui as choisi ça en plus. Non, c'est toi. Oh. Bah après, quand on choisit des trucs, on ne connaît pas. Donc, bon, c'est à moi maintenant. Ça, ça me donne envie. Ça, un peu moins. Donc, on va goûter ça. Mais ça, on dirait des crevettes, que c'est des bonbons. Si, c'est des bonbons, je pense. Ouais. J'ai de la pâte de fruits. Voilà. Reste ici. Tu t'es remis? Tiens, vas-y, viens là. Oh, je sais pas, il y en a des rouges. Tiens, viens, la rouge. Oh, putain, ça pue. Rouge pour les filles. Je sais pas si c'est une couleur différente, mais je pense que non. Alors, en fait, il y a trois petites boules à l'intérieur. On dirait des saucisses en sec. Moi, oh, pourquoi c'est saucisses noir? Ah oui, c'est bizarre. Ça sent le tapis neuf. Ça fait noir en fait. Un pruneau, on dirait. Allez, ah, dans ta bouche, papa. C'est salé, c'est même pas sucré. Ah, il est dur. Il y a un noyau. Bon. Ça, il y a un noyau à l'intérieur. Ça n'a pas de goût. On dirait comme une date, mais salée. Une date salée. C'est un canon. En même temps, c'est un peu poivré. C'est un goût d'épices en fait. Bon. Ça, c'est toi qui as choisi. C'est pas pour moi. Alors, c'était dans le rayon bonbon. Hein. Mais comment ils vont manger ça? C'est pas bon. En fait, ils disent. Ils disent que c'est des olives sucrées salées. J'ai l'impression de manger de la... Ouais, c'est vrai que c'est pas top. De la pâte à modeler. Non, c'est dur. Mais c'est puissant. Pardon. Je suis puissant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on achète, c'est pas bon. Ah, c'est le but de goûter en si fait. Si ça en c'est bon temps. Et la boisson elle est bonne. Mais les deux. Ouais. En fait, on dirait une date. Avec le noyau là, mais c'est très dur et ça a un goût d'épices. Pas ouais. Sucré en fait. C'est bizarre. C'est les mêmes. Non. Bah ouais, c'est les mêmes à mon avis. T'aimes bien toi? C'est un cagou donc. Ah bah si, c'est un goût. Ah hein. Si, c'est un goût. Moi, ça passe, toi que je mange pas trop. Ah. Ça, ça a l'air d'être bon ça. Non? Mais en fait, il y a des graines. Quand il y a des graines, c'est bon. Ça, par contre, t'aimes bien ça. Ouais. Je pense que la logique des choses, c'est ça, le seul truc qui est bon. Ah, ça sent le sésame. Tiens, chérie. Ça sent les graines de sésame. Attends-nous avant de goûter. On dirait un chouchi. Pas du. N'importe quoi. Alors, je peux pas vous dire, hein, mais c'est au sésame avec. Je sais pas, il y a des graines à l'intérieur. Allez, on va se retrouver avec du riz dedans, on va pas comprendre. Oh, ce serait bien, ouais. C'est bon?
Non mais attends, attends. Comment c'est bon? C'est si pour manger tout d'un coup. C'est bon? Tu veux pas tout faire? Allez, on y va. Moi, je fais que. Oh, c'est trop stylé. La texture, elle est bizarre en fait. On dirait qu'il y a comme de la. T'as tout mangé? On dirait qu'il y a une pâte un peu gélatineuse. Un peu comme, à mon avis, c'est comme du tapioca autour. Et à l'intérieur, il y a des graines. C'est pas bon. C'est juste les graines qui me dérangent. Il y a des graines mortes, c'est du pavot à l'intérieur? Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est un goût de sésame. Je vais pas savoir finir. La texture, elle est bizarre. Mais c'est ça, la texture, voilà. Bon, bah sur 5 trucs, il n'y a que les crackers qu'on aime. En fait, c'est les crackers, c'est ce qui ressemble le plus aux crackers français. Donc du coup, voilà. Je pense que c'est parce qu'on est plus salé que sucré. Tu penses? Non, mais ça, c'est pas mauvais, c'est un goût de sésame, quoi, en fait. Non. C'est la texture qui est un petit peu dérangeante. Range le pire truc, c'est ça. Hein. T'aimes bien ça? Non, justement, il y a du c'est pire. Hein. Non, ça fait bizarre. Non, ça va encore. Tu finis pas ta boisson? Non, j'aime pas. Moi, après ça, je te vais devoir me rincer la bouche, me boire un apéro. Ouais. Ça, c'est pas bon. Ouais. Bon, ben voilà. En plus, c'est le truc, ça, tu as plein de graines dans les dents. On veut? J'aime pas. 4 sur 5. Il y en a qu'un qu'on aime bien. Donc 1 sur 5. Les crackers, je pense que j'en rachèterai. Hein, Stacy, t'es de mon avis. Ah ouais. Elle a pris le paquet, elle est en train de les manger. Moi, comme Greg a dit, on va boire l'apéro. Ça va nous racher un peu la bouche. Puis ensuite, on mangera la petite tartiflette. Ouais, t'en as plein la bouche, les graines. J'ose pas sourire en pleine dent parce qu'à mon avis, j'en ai plein sur les dents. Bon, on va passer à table. C'est Angel qui ramène le grand plat sur la table. Ah, une bonne tartiflette. Ça embaume la maison. Ça sent fort le fromage. Chaque fois qu'on fait cuire, le pire c'est le lendemain matin. Hein chérie? Quand tu descends, à peine réveillé et que ça pue le fromage chez toi. C'est comme le poisson. Bon allez, on va manger. Après on va regarder... C'est quoi qu'on va regarder? Labyrinthe. Avec les loulous. Allez, je vous fais des bisous. Moi, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Qui sera peut-être sûrement pas beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Puisque avec le confinement, on fait pas grand-chose. Hein. Et puis, j'ai pas trop envie d'aller faire les... Je devrais aller... Peut-être si, demain, on va devoir aller faire les courses. Mais bon, tu vas peut-être devoir aller faire tout seul, à grands frais. On verra. La... C'est ça, en fait, c'est avec le monde qu'il y a, puis les gens qui dévalisent et tout, ça va encore une fois me faire... On verra ça. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, hein, Greg à chaud. Pourtant, on n'a pas allumé la cheminée. T'as froid maintenant? C'est le four, ouais. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième jour. On est samedi aujourd'hui, samedi 31. Demain on est le 1er novembre. Et ce soir logiquement on aurait dû fêter Halloween. Ce qu'on va pas faire. journée un petit peu... Je sais pas trop en fait. Il y a... C'est nuageux mais tout à l'heure il y avait du soleil. Donc je sais pas trop si on aura le droit de la pluie ou pas. On verra ça. Greg est parti au potager. Alors on a supposé... que comme la première fois, on avait le droit d'y aller. Parce que la première fois, en fait, qu'on était confinés, on avait le droit d'y aller et il fallait noter qu'on allait chercher faire des courses, quoi, en fait. Voilà. Donc, de toute façon, il est tout seul sur son potager, il voit personne. Donc, il n'y a aucun risque. Donc, c'est ce qu'il est parti faire. Il est parti récolter. En fait, comme il dit, c'est bête parce que, ben, et puis moi, il faut que j'avance, quoi, en fait. Hein, donc, il s'est dit, au pire, ben, je demanderai. Et voilà, quoi, en fait, si il se fait... C'est vrai que je pense qu'ils vont être un petit peu plus... Enfin, ils vont pas être souples, mais pour ces premiers jours, quoi, en fait. Parce qu'on est tous en train de se tâtonner, en train de se demander est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Comme le confinement est un tout petit peu plus souple que la première fois,
Voilà. Là, je suis en train de... Enfin, c'est pas moi. C'est l'aspiro qui est en train d'aspirer. J'ai tout mis en hauteur. Il est en train de faire son petit travail. Voilà. Et là, je suis en train de préparer ce qu'on appelle... Enfin, ce que j'appelle des pommes de terre à la va-vite à l'oignon. Des pommes de terre à l'oignon rapide. Alors, je l'ai fait à la mijoteuse. Je sais pas si ça fonctionnerait dans un autre truc que la mijoteuse. Je vous partage juste l'idée, la recette. Enfin, c'est pas vraiment une recette, vous allez voir, c'est juste un assemblage pour celles qui ont une mijoteuse. Donc en fait, c'est des petites pommes de terre. Donc là, c'est les pommes de terre. C'est pas les pommes de terre sous vide. Hein. C'est pas les luneurs, c'est des pommes de terre. En fait, elles sont crues, mais elles sont déjà épluchées. Voilà. Donc pour aller plus vite, j'ai dit que c'était rapide. On les met dedans. On ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et on ajoute 3 cuillères à soupe de soupe à l'oignon. Je vous avais dit hein, que je l'utilisais, mais pas pour faire de la soupe à l'oignon. En fait, je l'utilise un peu comme un mélange d'épices. Donc ça, on va venir mélanger, enrober du coup nos pommes de terre un petit peu de partout. Alors, pas besoin de rajouter de sel ni de poivre parce que le mélange est déjà assez salé. Voilà, une fois que tout est bien enrobé, on va juste mettre... un tout petit peu de liquide, un tout petit peu d'eau pour aider à la cuisson des pommes de terre. Donc je vais juste mettre 50 centilitres d'eau et on va laisser cuire ça de 2h30 sur position haute de la mijoteuse. Je vous ai dit c'était rapide. Hein. Hop là. Comme je vous dis, pas vraiment une recette, mais... un assemblage. Sinon, donc ce midi, c'est les pommes de terre faciles à l'oignon. Je vais faire ça avec des côtes de porc et des épinards. Et ce soir, c'est soupe de riz crémeuse qu'on fera aussi à la mijoteuse avec du riz complet. Voilà. Allez. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'aspi a fini d'aspirer. Et ensuite, je vais faire ma liste de courses. Cet après-midi, on ira peut-être aussi jusque Grand Frais. Comme ça, ça sera fait. Il y a demain, on y va le dimanche. Mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il bloque. Il bloque? Bon, il va le dire s'il est bloqué. Bon, go! Faire un café. Il est rentré du potager. Ouais, il a été aussi me faire, en fait, je lui ai demandé en même temps de passer jusqu'à Auchan. Parce que quand j'ai vu tout était dévalisé et tout, en plus, si je vous ai pas dit, mais la Belgique est confinée aussi. Elle part par contre pour un mois et demi. Mais bon, je pense que nous, ça va être la même sauce, à mon avis. Hein. Donc un mois et demi, donc on savait pas trop, voilà comment. Alors les frontières ne sont pas fermées, donc logiquement pour la France c'est pas fermé. On sait pas si pour la Belgique c'est fermé. Non, c'est pas fermé non plus. Alors les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, donc c'est l'espace européen en fait. Donc logiquement on pourrait continuer à aller faire nos courses, enfin voilà les choses comme ça. Mais voilà ils sont confinés aussi, donc je me suis dit. Ça sent pas bon. Est-ce que chez eux aussi, ils vont pas être en pénurie? Donc du coup, j'ai demandé au moins d'aller me voir pour de la levure. Enfin, c'est ce qu'on galérait le plus. La levure chimique, j'en avais pratiquement plus. Donc je vais demander de m'en reprendre. Et puis, de la levure de boulangère, j'en avais encore. Et il a regardé en même temps pour de la lessive. T'as pris quoi aussi? Mais de toute façon, on aurait dû y aller, en fait, juste pour ça. Par contre, c'est des croquettes pour Luna qu'on aurait dû acheter aussi. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Et il a dit qu'il y avait beaucoup de monde, quoi, en fait, mais que les rayons, ils étaient bien pleins. Pas plein. Pas plein, mais il manquait rien. Il y avait. Il m'a trouvé ma levure et tout. J'ai pas fait tout. Oui, non, bah, après, je me doute, toi et les magasins, tu vas pas t'amuser. Grégory, les magasins, il va à l'essentiel, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est pas pour se faire sa petite balade. Du coup, moi, j'ai fait ma petite liste de courses. Donc, on verra. Soit on y va tous les deux cet après-midi, mais de toute façon, c'est grand frais. Donc. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas énormément de monde. Ou soit j'irai tout seul, ou soit Greg ira tout seul. En fonction de ce qui est acheté, je vais te faire montrer. Si tu juges que tu peux y aller tout seul, ben voilà. Autrement, ben soit on va à deux, ou soit... voilà. Bon, après, il n'y a pas interdiction d'y aller à deux. On a cherché, on n'a pas vu. Hein? Mais bon...
Oui, c'est sûr que le mieux, c'est d'y aller tout seul. Enfin, comme les Auchan et tout, j'irai pas avec lui parce que voilà, il y a déjà plein de monde, j'ai pas envie. Grand frais. Il va être déconfiné. Les gens, ils se comportent encore comme ça. C'est pas vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment un confinement, quoi, en fait. Hein. Pour moi, on est en semi-confinement. On n'a plus le droit de voir sa famille, en fait. C'est ce que je retiens en fait moi là-dessus. J'ai plus le droit de voir ma famille et j'ai plus le droit d'aller voilà, enfin dans les loisirs, les restos, les machins et tout. Mais le reste, il y a certains magasins qui sont ouverts moi aussi. Je comprends pas quoi en fait. Voilà, j'ai vu des trucs passer. Mais bon, voilà, pas de polémique. Hein ? On va manger, je vais vous montrer du coup les petites pommes de terre. Voilà ce que ça donne du coup. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, vous voyez, elles sont un tout petit peu dorées. J'ai juste rajouté des herbes dedans. Des herbes séchées, style persil. Voilà. En fait, c'est le mélange d'herbes à salade de chez Lidl, déshydraté. J'ai rajouté à peu près une cuillère à soupe. Et voilà ce que ça donne. On va manger ça avec des épinards et des côtes de porc. Si mes loulous veulent bien venir à table. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Bon allez, on va y aller, on va aller manger et puis ensuite on se prélasser un petit peu. Ouais. Et ensuite course. Les courses et après moi aussi. Voilà. Alors, petite course. Donc du coup, je vais vous faire le retour de course de Grand Frais. On en a quand même eu pour 161 euros, mais il y a pas mal de viande en fait et il y a deux trois, il y a un peu d'alcool aussi. Et puis il y a un truc aussi, j'ai pris, je vous montrerai après, mais qui était déjà aussi, je pense que c'était 7 euros quelque chose. Donc du coup ça monte vite. Hein. Alors j'ai pris des spaghettis frais, on préfère les pâtes fraîches, donc quand je peux au maximum, ben, je remplace, il pleut dehors, ce que je vois. Donc du coup c'est Greg qui a été faire les courses. Donc oui, quand on peut, je préfère prendre des fraîches quoi, en fait. Donc là je lui avais dit, regarde s'il y en a. Donc il a pris des spaghettis aux œufs frais. Pour faire des spaghettis à la viande et aux épinards. Donc pour ça, je vais demander aussi de prendre de la viande hachée, hop, du bœuf haché, des steaks. Par contre, les steaks, je me souviens plus c'est pourquoi. Ah oui, je vais faire de la purée de chou-fleur avec des steaks et une sauce au poivre un après-midi, enfin à midi. Pour demain soir, on avait envie de fondu. Donc ça aussi, c'est 6 euros le paquet. 7 euros. 7 euros. 6,99 euros le paquet. Donc il y en a pris deux parce qu'il s'est dit que c'est pour deux personnes. Mais comme je l'ai dit, ça risque de faire beaucoup quand même, quoi, en fait. Mais bon, donc demain soir, à la place de la planche, en fait, on va faire une fondue au fromage. Une fondue savoyarde. Je vois qu'il s'est pris des petites galettes comme ça. Voilà. Alors ça, c'était 1,99€. Mais si on en prenait deux, il y avait une réduc de 0,46€. En fait, ça revenait à 3€ pour deux. Il y a pris au maroilles et puis oignon cheddar, c'est pour l'apéro. Il s'est repris des petits bâtonnets. Je lui avais demandé de me prendre du cheddar en tranches pour faire des... vous voyez les pains, les dinner rolls que je garnis avec façon mexicaine, enfin pas façon, mais enfin j'ai déjà fait façon mexicaine, mais là c'est façon cheeseburger. Voilà, c'est pour samedi soir. Deux citrons verts, je vais faire du pokéball au saumon. J'avais très envie en fait de sushi, donc je me suis dit bon, pokéball, Greg aime bien. Donc deux têtes d'ail. Des petites tomates cerises, il n'y en a plus au potager, ça y est, c'est fini. C'est pour le pokéball. Du saumon pour le pokéball, du saumon frais. Il a repris deux burrata pour faire... en fait, c'est la recette que je devais faire il y a 15 jours avec les courges spaghetti crémeuses avec des chips de jambon cru et de la burrata. Alors j'avais tout pour faire cette recette que j'ai pas fait du coup parce que c'est le week-end où Princesse nous a quittés. Donc du coup, je l'ai pas fait en fait. Mais la burrata n'était plus bonne à partir de là ce week-end. Donc on l'a mangé, je sais plus quand, comme ça en fait avec... je crois qu'on l'a mis sur le gratin de pâtes. Comme s'il n'y avait pas assez de fromage. On les avait rajoutés pour pas les gaspiller quoi en fait. Donc du coup il m'en a repris deux pour la recette là. Un avocat pour le pokéball, un concombre, donc j'ai pris un petit, enfin je lui avais dit de me prendre un petit, donc il m'a pris celui-là un petit peu avec des... Ah, des épines, mais ça pique pas. Hop. Ensuite de l'orzo, je vais faire un mijoté
d'orzo poulet champignons. Ensuite, je lui ai demandé de prendre deux boîtes de tomates concassées, mais il m'en a pris un troisième parce que c'était deux. Enfin, je fais une promo en fait sur ça. En fait, quand on en prend trois, ça revient moins cher. Après, je lui ai demandé de regarder s'il y avait de la pâte à pistache en prévision de certaines pâtisseries, dont les cookies pistache chocolat blanc que j'ai pas encore fait. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal si je rajoutais de la pâte à pistache dans mes cookies. Donc, il m'en a trouvé et ça, justement, c'est ce que je vous disais qui fait un peu cher. Mais bon, on va super longtemps avec. Hein. C'est 7,99€. Donc, oui. C'est un peu cher, mais comme je vous dis, on n'en met pas beaucoup en fait en préparation. Et là, je pense que je vais pouvoir faire des cakes avec la framboise. Ça se marie super bien. Même si c'est pas la saison des framboises, en surgelé, c'est très bon dans les desserts cuits ou même crus. Hein. C'est juste parce que la texture, en fait, quand on les utilise, quand elles sont congelées et qu'on les met crues, mettons dans une salade de fruits ou quoi, la texture, elle est bizarre, elles sont un tout petit peu molles. Mais dans les préparations cuites, comme tout ce qui est gâteau, cake et tout, j'utilise très souvent des framboises surgelées plutôt que des fraîches. Déjà, c'est moins cher. Puis de toute façon, la texture, on le voit pas, quoi, en fait, puisque c'est cuit. Polenta. Je vais faire de la polenta crémeuse. Et comme je vous avais dit, je vous partagerai la recette en même temps. Je vous ferai la fiche recette et je la mettrai sur le blog. Ensuite, je lui ai demandé de me reprendre un vin. Donc j'ai pris un vin, il a pris un Montbazillac. Alors moi, j'aime bien les vins blancs un peu sucrés. C'est souvent ce que je bois en guise d'apéro en fait. Et je vois qu'il s'est pris deux bouteilles de vin. Donc c'est la Divine, la Saint-Landelin. Moine fondateur de l'abbaye de Crespin. Je connais pas, mais bon. Voilà, donc il a pris une blonde et une ambrée. Je pense qu'il y avait une promo dessus, c'est pour ça qu'il en a pris deux. C'était une... Alors, je regarde en bas. Oui, il y avait moins 18 centimes dessus. Je pense que c'était 2 pour 5 euros. Et ensuite, la viande. Alors, au niveau de la viande, je vais déballer. Alors, et je au me... niveau de la viande, alors déjà, je lui ai demandé de me reprendre des œufs. Donc, des œufs de plein air. Alors, à chaque fois, je fais attention à ce qui. Enfin, je lui demande. Là, je lui ai demandé de faire attention. Prendre gros moyens. Donc, souvent, comme je vous dis, c'est les blancs de chez Grand Frais. Donc, voilà. Au niveau de la viande, je lui ai demandé de me prendre un saucisson à l'ail. J'ai prévu de faire un cassoulet du Nord cette semaine. Donc, toujours pour le cassoulet, du lard frais en tranches. Et puis toujours pour le cassoulet, des saucisses fumées. Ensuite, il manque de prendre un bon morceau de saucisson, courbe. C'est voilà, c'était si, enfin même nous, hein, on l'adore. Depuis qu'on a goûté celui-là, on a du mal à manger les autres. Ils sont beaucoup moins gras, il est beaucoup plus sec. Là, c'est Greg qui s'est pris ça. C'est du rôti de l'échine fumée. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé du paleron. Il n'y en avait pas, mais il y avait de la bascotte. Donc, il a remplacé par la bascotte. Je vais faire une recette. Alors, c'est une recette que j'ai vue sur un site américain et ça m'a intriguée. En fait, il y a du café dedans. Et du coup, je suis un petit peu curieuse et je me suis dit que j'allais qu'on allait goûter. Voilà. En fait, c'est une recette avec... donc, je l'ai mis un petit peu à ma sauce hein, parce que c'est une recette américaine. Donc, forcément, il y a des produits qu'on ne trouve pas en France, etc., etc. Donc, du coup, j'ai tout retravaillé à la recette. Et on va tester du coup avec ce café. Dans la traduction de ce que j'ai pu voir sur la recette, on ne sent pas du tout le café, mais ça donne une saveur. Vous voyez le petit quelque chose à la recette, un peu comme les carrés de chocolat dans le bourguignon, quoi, en fait. Donc du coup, voilà, j'avais envie de tester. Donc on testera ça ensemble, on verra si c'est bon. Voilà. Je pense que ça fait un peu le style de la recette que je vous avais partagée. La recette avec l'ajout de bœuf que j'avais fait avec les cèpes. Alors cette recette, on l'adore, elle revient tout le temps, tous les ans et plusieurs fois dans l'année. Donc du coup, voilà, ça me... La texture de la viande, en fait, ça m'y a fait penser. Donc du coup, je pense que ça doit être top. On goûtera ça et on vous dira. Donc voilà pour les courses. Comme je vous ai dit, on en a eu pour un petit peu beaucoup. Mais il y a pas mal de viande, un peu d'alcool et pas mal de trucs. Vous voyez, comme le fromage, il y en a déjà pour 14€ pour la fondue et tout. Donc ça monte vite. Bon, on va ranger maintenant. Je suis en train de préparer la soupe de ce soir. Alors moi, je vais la faire à mijoteuse, donc il faut au moins qu'elle mijote un petit 3 heures. Mijoter à faible intensité. Donc si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre plus fort. Et là, elle mettra 1h30 à cuire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc c'est une soupe crémeuse au riz et au poulet.
Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de ma mijoteuse. Alors moi ma mijoteuse, on me la demande souvent, c'est une croque pot. C'est une cuve en dura céramique, donc du coup ça permet de la dorer directement la viande dedans. Toutes les mijoteuses ne le font pas, donc faites attention. Là c'est parce que c'est une cuve spéciale avec un dessous. Vous voyez en dessous, ça fait la plaque de métal qu'il y a sur les casseroles et tout en fait, sur les poêles. Voilà, vous voyez la plaque ronde là en métal qu'on peut avoir. Donc là il y a exactement la même chose. Donc cette cuve là, ça permet de faire dorer directement dessus. Et je peux aussi, si mettons je fais un plat qui me demande à être gratiné, mettre le fromage et ensuite la passer au four aussi. Donc comme je vous dis, faites attention parce que toutes les cuves ne le font pas. Vous risquez d'abîmer votre cuve si vous le faites. Si mettons elle ne le fait pas, vous faites dorer dans une poêle et vous transvidez ensuite dedans. Après c'est une recette qu'on peut très bien faire à la marmite puisque avant je le faisais à la marmite. Alors, donc du coup, une cuve dans la cuve ou dans votre marmite, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive et on y fait dorer les morceaux de poulet. Une fois qu'ils sont dorés, alors là c'est pas encore très très doré, mais mon morceau de poulet était congelé, donc du coup j'ai un peu de mal à les faire dorer. On va encore attendre un petit peu. Sinon ensuite, on va ajouter l'ail. Donc deux gousses d'ail écrasées et un oignon coupé en petits morceaux. Alors, une fois que le poulet est légèrement doré, on ajoute l'ail, l'oignon, deux carottes coupées en petits dés et deux branches de céleri aussi coupées en petits dés. Et on va faire revenir ça 5 minutes en mélangeant entre deux. Alors au bout des 5 minutes, on ajoute 100 g de riz. Alors il faut mieux utiliser un riz complet, enfin un riz qui demande une cuisson longue. Parce que si vous utilisez un riz à cuisson rapide, vous allez avoir une pâte de riz. Enfin, vous n'allez même plus avoir les grains de riz. Quoi. En fait, ça va être tout gluant, ça va pas être très bon. Donc oui, utilisez un riz qui est un peu plus... avec une consistance un petit peu plus longue. Hein, comme le riz brun, le riz complet, le riz sauvage ou les choses comme ça. Donc là on va faire juste nacrer pendant une petite minute nos grains de riz. Et ensuite on ajoute des petits pois, 200 g de petits pois surgelés, du bouillon, alors de l'eau avec alors c'est une soupe, ce que j'appelle une soupe repas en fait, ça fait une soupe assez consistante. Hop, donc j'ajoute 2 cubes de bouillon pour 1 litre de bouillon de volaille et on va ajouter aussi une petite branche de thym. On va bien mélanger. Donc à ce stade là, si mettons votre cuve ne va pas sur le feu, vous transvidez dans votre cuve directement votre mélange. Moi j'ai juste à prendre et à le mettre hop, sur mon socle. Alors j'ai fait ce qu'on appelle un beurre manié. Donc on s'en est servi cette semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait c'est juste un mélange de beurre et de farine. Donc il y a autant de beurre, autant de farine. Donc là j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de beurre, 30 g et 30 g de farine. On fait fondre le beurre. Une fois qu'il est fondu on ajoute le beurre. Ce mélange en fait, ce beurre manié, permet d'épaissir les sauces sans faire de grumeaux. Vous voyez, épaissir les sauces à chaud. Le beurre fond et disperse la farine dedans. Et au moins si vous mettez juste la farine comme ça, vous êtes sûr d'avoir des grumeaux dans votre sauce. Là, cette technique là vous permet de ne pas avoir de grumeaux dedans. Et en plus le beurre apporte un petit peu d'onctuosité à la sauce, ce qui est pas plus mal aussi. Voilà. Alors c'est une chose qu'on peut faire à l'avance et garder un petit pot dans le frigo hein, si vous voulez. Oups. Donc là on met ce mélange dans notre... Oh, c'est Kim qui téléphone à son père. Il y a Kim. Là. elle a mis un pyjama squelette à Loulou. Ils font pas Halloween. Hein. Il y a personne. Quoi, tout à l'heure, on a vu des gamins qui passaient dans la rue. Pas voir grand-chose, tu sais. Il phosphoresce. Il est phosphorescent. Et il raloule. Et il râle. Il fait crâner. Hein? Il fait crâner. Comme son grand-père. Ouais, ça râle comme papy. Donc du coup, on revient à notre soupe. Donc j'ai rajouté le mélange, la pâte, là en fait, le beurre manié. On mélange un tout petit peu
pour bien tout disperser. Et du coup là on va le faire cuire 3 heures puissance élevée. Voilà, la soupe va s'épaissir. Tout à l'heure on n'aura plus qu'à rajouter un petit peu de crème dedans. Quel râleur, c'est une vraie biquette. À chaque fois il fait ça. Hein? À chaque fois il fait la biquette. Hein? Bon allez, bah, c'est ça mijoter. Le temps il devient tout bizarre, il fait rouge, jaune. Je sais pas si vous voyez par la fenêtre en fait. On a l'impression qu'ils ont allumé la lumière en fait. Ça fait bizarre. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le soleil qui se couche ou quoi, mais c'est tout bizarre. T'attends ton petit garçon là, il fait la biquette. Garde papy. C'est chaud. Et va voir papa. Attends. Il est déguisé. Ah. Attends, bah attends, je vais lui enlever son truc. Tu t'es glissé, papy. Ah. Ouais, il fait bizarre le temps d'un seul coup, il est tout jeune, on dirait qu'il va faire de l'orage. Bon allez, moi je vais laisser ça mijoter du coup. Puis finir ma petite conversation avec Kim. Alors ma soupe était cuite. Je vais juste ajouter 100 g de crème en plus dedans. Oh. Et voilà, on mélange. Et alors comme je vous ai dit, c'est une soupe quand même assez épaisse, assez... Voilà, c'est une soupe complète quoi en fait. Là, vous buvez juste un bol de soupe, il y a tout dedans. C'est... Voilà, pas besoin d'accompagner avec du pain ou du fromage ou ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait nous une soupe crepas et c'est ce qui passe le mieux chez les enfants et chez Greg. Parce qu'en fait, quand je fais juste une soupe de légumes, souvent, ça passe moyen. À part Stacy qui adore la soupe. Stacy, elle pourrait prendre de la soupe tout le temps. Elle. Grégory, c'est quoi ces mots? Pardon, j'ai regardé un film et... Tu regardes un film? Tu regardes quoi? Un film sur la Première Guerre mondiale. Et ah. Il y a des héros, ils sont énormes. Bon allez, nous sur ce, on va manger. Je vais servir nos petits bols de soupe. On va regarder la télé. Je vais vous faire des bisous. Je vais stopper le vlog ici. Il fait déjà une heure. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end avec nous, qu'on vous a un petit peu diverti, échangé les idées. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine avec nos reprises pour les loulous. Bye, bisous, à lundi. Gonna hold you like the stand of me. Gonna love you till infinity.